les amis, coucou, bonsoir, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Ah, il n'y a plus de musique. Sarah, décidément, on a des soucis, hein. Entre la musique, les réseaux sociaux. J'espère que vous allez bien. On se retrouve donc ce soir, jeudi, pour la méditation. J'espère que vous avez profité du soleil. Alors ce week-end, on a un beau soleil. Ce week-end, il va faire super beau chez nous en Normandie. Il va faire très beau. Donc c'est super chouette parce que justement, j'ai prévu dimanche de faire une méditation en silence devant le lac de la Ferté-Massé à 14h. Donc s'il y en a qui écoutent cette vidéo, qui habitent à côté de la Ferté-Massé, dimanche à 14h, on se retrouve là-bas. Je vais faire un très grand cercle avec des coussins un peu partout. On est déjà 5 personnes. Et bon, vous êtes invités à vous asseoir et à méditer avec nous dans le silence. On ne fait rien de spécial, on est juste là, présent. Présent à ce que l'on fait. Et pour les personnes, bien entendu, qui souhaitent se relier avec nous, vous pouvez le faire aussi chez vous, à votre domicile. Vous pensez à nous. À 14h, vous pensez à nous. On se relie de cœur à cœur et d'âme à âme. Voilà. Donc, dimanche à 14h, à la Ferté-Massé, au lac de la Ferté-Massé. Et sinon, les personnes qui veulent se relier chez eux peuvent se relier de cœur à cœur, d'âme à âme. Et vous pouvez faire la méditation en silence avec nous. Voilà, voilà. Je suis en train de lancer une nouvelle façon de rayonner, de distribuer l'énergie. Et le mois prochain, ça sera à Argentan. Après, on ira à Flers et à Bagnoles-de-l'Orne jusqu'au mois de juin. Une fois par mois. Méditation en cercle sur un coussin dehors, en silence, les yeux fermés, en silence. Et les gens sont invités à s'asseoir avec nous, à se joindre au groupe pour méditer. Voilà, ça va être super. J'ai vraiment hâte dimanche, d'arriver à dimanche. Donc on a de la chance, il va faire beau. C'est super cool. Voilà, envoyez des bonnes ondes positives partout. Ça va être super chouette. Une autre façon aussi de communiquer son amour aux autres, la fraternité, de se rassembler. Voilà. Bonsoir Nathalie. Donc on va commencer la méditation. Je vous invite à vous asseoir en tailleur ou les pieds au sol sur une chaise. Une petite couverture. Ça va Nathalie? Donc Nathalie, je t'invite à te joindre à nous de cœur à cœur, d'âme à âme, quand on sera au lac de la Ferté-Massé en Normandie, dimanche à 14h. Pour les personnes qui veulent se connecter avec nous, il n'y a aucun souci. Méditation dans le silence. On est juste présent et conscient de ce que l'on fait et on met son attention sur ce qu'on est en train de faire. Alors, vous installez dans une position bien confortable, dans une position verticale, et vous fermez les yeux.
Vous observez votre respiration et vous mettez toute votre attention dans votre ventre, dans le chakra solaire et dans le centre Hara, au-dessus et en dessous du nombril. Vous prenez le temps de vous poser. Vous prenez le temps d'être à l'écoute de vous-même. Tout votre corps respire. Vous prenez entièrement conscience de votre position verticale, de votre reliance à la terre. Vous inspirez l'énergie de la terre sous vos pieds. Visualisez des belles racines, solides, profondes. Des racines qui s'enfoncent au cœur de la terre. Visualisez des racines qui s'expansent à l'horizontale. Comme si vos racines cherchaient à entourer la terre. Prenez le temps de respirer cette énergie terrestre qui remonte le long de vos deux jambes. Cette énergie lumineuse et douce à la fois, qui éclabousse tout votre bassin. Qui remplit tout votre ventre. Qui nourrit votre corps. Sentez votre coccyx. Imaginez votre coccyx vibrant d'énergie, vivant. Votre coccyx qui respire et qui accueille l'énergie de la terre. Et vous laissez remonter cette énergie le long de la colonne vertébrale.
imaginez cette énergie remonter jusque derrière le cœur, entre les omoplates. Et à chaque expiration, vous imaginez que cette énergie terrestre remonte jusqu'au ciel, traverse tous les derniers chakras supérieurs et sortir de votre tête. Inspirez l'énergie de la terre, du coccyx jusqu'au cœur. Expirez du cœur jusque le sommet de votre crâne. Imaginez maintenant qu'à chaque fois que vous inspirez, que vous accueillez l'énergie du ciel qui vous traverse comme une colonne de lumière. À chaque inspiration, vous laissez descendre jusqu'à votre cœur. Et à chaque expiration de votre cœur, vous expirez jusqu'à la sortie de votre corps, entre les deux jambes. Rejoindre la terre. Inspirez l'énergie du ciel jusqu'à votre cœur. Expirez jusqu'à la terre. Imaginez maintenant que vous êtes bien enraciné dans la terre et dans le ciel. Qu'à chaque fois que vous allez expirer, vous allez vous entourer d'une lumière rouge, une bulle de lumière rouge.
imaginez maintenant qu'à chaque fois que vous allez expirer, vous allez vous entourer d'une lumière orange par-dessus cette enveloppe rouge. À chaque fois que vous expirez, vous vous entourez d'une enveloppe jaune par-dessus la couleur orange. À chaque fois que vous expirez, vous visualisez une enveloppe, une bulle de lumière verte par-dessus la bulle orange. Une lumière jaune qui s'installe autour de vous, entre la couleur orange et la couleur verte. La couleur verte au-dessus du jaune vous enveloppe. Et à chaque fois que vous expirez maintenant, une enveloppe, une bulle de lumière bleu ciel qui se met autour, par-dessus la couleur verte. À chaque expiration, visualisez une enveloppe de lumière bleu indigo par-dessus le bleu ciel. À chaque expiration, une enveloppe de lumière de couleur violette se met tout autour de l'enveloppe bleu indigo. Par-dessus, l'enveloppe bleu indigo se couvre de violet. Votre bulle arc-en-ciel tout autour de vous vous enveloppe et vous êtes à l'intérieur, au cœur même de cette bulle de lumière arc-en-ciel.
Visualisez maintenant à chaque expiration une lumière blanche par-dessus cette bulle arc-en-ciel. Une lumière blanche argentée. À chaque fois que vous allez expirer maintenant, mettez une couche de lumière dorée sur la lumière blanche tout autour de vous. Vous êtes au centre même de cette bulle de lumière. Où seule la paix, l'amour, la lumière vibre. Rayonnez comme un soleil de toutes les couleurs arc-en-ciel. Et au sein, au cœur même de cette bulle de lumière, retournez à l'intérieur de vous-même, au cœur de votre cœur. Et vous traversez votre cœur. Traverser et de chaque côté des parois en cristal. Des cristaux de toutes les couleurs. Et vous continuez d'avancer, de traverser votre cœur. Vous continuez d'avancer dans ce couloir. Et vous arrivez devant un énorme diamant aux mille facettes.
Vous en faites le tour, vous le touchez. Il est énorme, magnifique, éblouissant de beauté. Et vous tournez autour de ce diamant en le touchant. Ce diamant est tellement grand, c'est comme une montagne. Un diamant immense. Et tout à coup, vous vous arrêtez. Une petite porte dans ce diamant. Et vous décidez de rentrer à l'intérieur de ce diamant. Vous ouvrez la porte. À l'intérieur, un feu qui brûle. Un feu qui éblouit toutes les couleurs de ces milliers de facettes de ce diamant. Ce feu qui brûle, qui fait écho et qui résonne au plus profond de vous-même. Vous n'êtes pas seul. Vous vous apercevez qu'il y a beaucoup de personnes qui vous accompagnent. Qui sont venues se réchauffer auprès de ce feu sacré. Des hommes, des femmes, des enfants. Toutes les facettes de ce diamant brillent avec le reflet des flammes. Il fait bon. Il fait chaud. Et cela est très, très agréable. Très agréable. Il y a un sage, un vieil homme qui arrive. Il a un bâton. Il marche vers toutes ces personnes. Il marche vers nous. Il nous dit que ce feu est transmutateur. Que nous pouvons y jeter tout ce dont nous n'en avons plus besoin, nos limitations.
cet être rayonne la vibration de Melchisédek. Vous soupirez de bien-être. Tout à coup, vous sentez comme si vos épaules étaient soulagées d'un fardeau. Déposez ici tout ce qui vous dérange. Et voyez toutes ces personnes qui vous accompagnent déposer des petits ou des gros paquets symboliques. Vous comprenez, avec l'aide de cette énergie présente devant vous, que toutes ces personnes représentent votre lignée familiale. Et si vous le désirez, vous pouvez déposer vous aussi tout ce que vous portez de votre famille, de vos ancêtres qui ne vous appartiennent plus. Vous pouvez décider ce soir de couper cette chaîne. De couper ces maillons qui vous retiennent d'avancer, qui vous empêchent d'avancer sur votre chemin de liberté. On vous demande d'enlever vos vieux manteaux usés, déchirés, qui représentent votre passé, et de le mettre dans le feu transmutateur, dans ce feu sacré.
dans ce feu d'amour et de lumière. À l'instant même où ces manteaux sont brûlés, vous vous sentez beaucoup plus léger. Vous êtes soulagé, comme si vous revêtiez ici et maintenant votre habit de lumière. Vous endossez ce soir votre habit de lumière et vous osez la faire briller tout autour de vous, où que vous soyez. Et pour accentuer votre processus de guérison physique, émotionnelle, mentale et spirituelle, un être arrive. Il a une robe blanche. Il est pieds nus dans des sandales. Il a les cheveux longs. Il a un calice dans sa main gauche et vous offre, si vous l'acceptez, si tel est votre souhait, il vous offre une hostie remplie de bienfaits, d'énergie nouvelle, pour votre plus grand bien. Et il passe à chacun, à chacune de vous. Thank you.
temps de repartir maintenant. Vous gardez en vous cette haute énergie. Vous remerciez. Et vous sortez par la petite porte. Vous retournez dans ce couloir, dans ces parois qui sont lisses, cristallines, de couleurs différentes. Et vous retrouvez votre endroit où vous êtes ici et maintenant. Vous reprenez conscience du monde extérieur qui vous entoure. Vous revenez ici et maintenant. Les pieds dans vos pieds. Les mains dans vos mains. Et le cœur avec les hommes. Et vous pouvez ouvrir les yeux tout doucement. Nazim, vous revenez ici et maintenant dans la matière. Vous sentir léger, rempli de douceur. Beaucoup de chaleur. Alors pour les personnes qui veulent rester un peu plus longtemps, ben vous restez plus longtemps, il n'y a pas de souci, hein. Vous vous revenez quand vous voulez. Pour les autres personnes, vous pouvez me mettre des petits commentaires sous la vidéo ou en Messenger de comment vous vous sentez, qu'est-ce que vous avez visualisé. Alors, c'était doux et paisible. Oui, Nathalie, doux et paisible. Super, très bien. Donc, c'est bien aussi de, avant de revenir, entre guillemets, de garder cette énergie haute en soi, cette légèreté. Le plus longtemps possible. On a augmenté son taux vibratoire, encore une fois. Merci Nathalie de ce partage. Merci beaucoup à toi Nathalie. Namasté.
Merci beaucoup. Alors, Virginie, si tu viens d'arriver, la méditation est terminée. Donc, tu vas pouvoir la refaire, tu vas pouvoir faire la méditation. Dès que je vais arrêter la vidéo, je l'enregistre, je la partage et c'est parti. Ma chaîne YouTube, Marie-Christine Gendron. Alors, j'insiste bien, peut-être que j'anticipe. Anticipez aussi, s'il vous plaît. Si vous voulez continuer de me suivre, j'ai mis les liens sur Facebook, sur mon profil, sur ma page Facebook, les liens Odyssée, VK et Rumble. Je suis en train de mettre toutes mes vidéos et toutes les nouvelles, je le mets aussi là-dessus, sur tous les réseaux sociaux, pour éviter qu'un jour on soit complètement séparés, entre guillemets, parce que Facebook et Google, ça marche très très mal. J'ai beaucoup de vidéos qui sont censurées, qui sont coupées. Donc là, j'ai de la chance, ça n'a pas été coupé. Vendredi dernier, j'ai fait une vidéo de yoga qui dure une heure et la vidéo a été coupée au bout de 21 minutes. Donc maintenant, je fais 3 vidéos en gym. C'est pas pratique. Ça fait double travail. Donc, je mets cette vidéo sur ma chaîne YouTube, Marie-Christine Gendron. Allez vous abonner. Mais si il y a un problème sur YouTube, vous avez aussi VK, Odyssée et Rumble. Donc, j'ai mis tous les liens de ces réseaux sociaux sur mon profil. Pensez à vous abonner, s'il vous plaît. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une douce soirée, restez dans la douceur, dans la légèreté, passez une douce nuit. Demain on est vendredi, je vous retrouve donc demain pour ceux qui le désirent pour un cours de yoga à 18h. Voilà, bisous, 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 merci à tout le monde, merci de votre fidélité, merci pour tous les nouveaux, merci de tout cœur, merci beaucoup.